Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'indexation d'un site internet dans Google. Alors comment indexer son site dans Google, dans les moteurs de recherche? Tout d'abord, il faut savoir ce que c'est que l'indexation, comment ça marche, et puis je vous montrerai des exemples pour savoir faire concrètement. Déjà, l'indexation, c'est le fait du passage d'un robot d'un moteur de recherche sur votre site. Ce robot, il va parcourir votre site, parcourir l'ensemble des pages de votre site et il va indexer, c'est-à-dire qu'il va enregistrer son contenu dans sa base de données. Il va enregistrer tous les fichiers, toutes les images, tous les fichiers texte, tous les fichiers HTML. Dans sa base, elle représente environ plus de 13 000 milliards de fichiers. Donc c'est assez énorme. Google dispose depuis 2003 de deux index, l'index primaire, l'index secondaire. L'index primaire, ça correspond aux principales pages du web, les plus gros sites. Et l'index secondaire, grosso modo, c'est tout le reste. Depuis la mise à jour de Google, de son algorithme qui s'appelle Caféine, la mise à jour de ces pages et sa prise en compte dans les résultats est quasi instantanée. Elle est super rapide. Alors, comment savoir que son site est indexé ? Déjà, il faut aller dans Google, vous tapez site2.monsite.fr, site2. Par exemple google.fr, sans espace entre le 2 points et votre site, et vous voyez si en dessous de la barre de recherche, si vous avez des résultats. Alors il vous dit environ, je ne sais pas, 200 résultats. Vous avez 200 pages indexées. Si vous ne voyez rien, c'est que votre site n'est pas présent dans la base de données de Google. Alors comment faire pour faire en sorte que Google passe sur votre site et qu'il indexe, qu'il enregistre vos pages? Il faut déjà que votre page, que votre site soit en ligne. Il faut qu'il y ait du contenu sur votre page. Ça c'est la base. Et ensuite, idéalement, il faudrait faire une manipulation auprès de Google, une inscription, grosso modo, où vous allez sur l'URL que je vais vous mettre en description. Et vous dites, voilà, vous remplissez le formulaire, vous mettez l'adresse de votre site, vous cliquez sur OK, et au bout de quelques temps, Google va passer sur votre site et celui-ci sera indexé. Je dis quelques temps parce que on ne sait pas au bout de combien de temps concrètement Google va passer et combien de temps cette prise en compte, ça sera réellement pris en compte. Pour accélérer le mouvement, comment faire? Vous pouvez créer et ajouter à votre site ce qu'on appelle un sitemap. C'est un fichier au format XML qui liste l'ensemble des pages de votre site et que vous allez fournir à Google pour vous dire ben voilà l'ensemble des pages de mon site. Alors comment créer un fichier sitemap.xml? Ben vous tapez dans Google générateur de fichier sitemap.xml. Il va vous fournir des sites, des outils. Vous renseignez les éléments. Vous cliquez sur démarrer le crawl et là vous allez ces outils vont vous générer un fichier XML que vous allez charger sur votre site, installer. Une fois qu'il sera posé sur votre site, vous allez enregistrer votre site dans l'outil pour les webmasters de Google qui s'appelle la Search Console. Vous tapez Search Console dans Google, je vous mettrai le lien dans la description. Et vous allez directement dans la rubrique Exploration puis sitemaps, vous faites ajouter et tester un sitemap, vous l'ajoutez, vous faites ensuite indexer ces pages et Google va venir immédiatement sur votre site et dans quelques temps votre site sera indexé. Comment faire pour augmenter le temps de passage et d'indexation de Google sur l'ensemble de vos pages? Tout simplement, il vous faut des liens depuis d'autres sites, depuis des sites à fort trafic. Idéalement, ben voilà, vous demandez à votre agence web, à vos prestataires, à vos clients, aux fournisseurs de mettre un lien vers votre site. Et là, grosso modo, ben Google va voir que vous êtes présent sur le web. Il va venir en suivant l'ensemble des pages des sites sur lesquels vous avez un lien. Et miracle, d'ici au bout de quelques temps, ça peut être très rapide, ça peut être au bout de quelques minutes comme au bout de quelques heures, votre site sera présent dans Google. Donc n'hésitez pas à tester depuis un autre navigateur, depuis une session privée. Vous tapez toujours site2.monsite.fr et là, si vous avez des résultats, ben bingo, votre site est indexé.
Est-ce que les réseaux sociaux peuvent aider pour faire connaître votre site? Alors, on n'a pas d'informations précises à ce sujet, mais bon, c'est toujours bien d'avoir des liens sur les réseaux sociaux pour améliorer tout ça. Vous avez fait ces manipulations et pourtant, au bout de 48 heures, 72 heures, votre site n'est toujours pas présent dans la base de données de Google. Alors, il peut y avoir des freins techniques à l'indexation de vos pages par Google. Comment faire donc? Il convient d'aller regarder le fichier robots.txt, robots.txt, de votre site internet. Donc, généralement, il se trouve à la racine de votre site, c'est-à-dire mon site.fr slash robots.txt. Et si dedans vous avez une commande qui s'appelle disallow et 2.1 étoile, ça veut dire que votre fichier robot, robots.txt, qui parle à tous les robots des moteurs de recherche, dit au robot, voilà, n'indexe pas toutes les pages de votre site, ne suis pas toutes les pages de mon site. Donc là, il faut absolument changer ça, enlever l'étoile, enregistrer le fichier et le remettre sur votre site. Il se peut que vous ayez également sur votre site une balise no index no follow. Donc concrètement, vous regardez le code source de votre site, vous faites CTRL U sur Firefox par exemple, et si dedans vous voyez no index et no follow, concrètement votre site il est en mode brouillon et il ne peut être indexé par Google. Donc là, il faut enlever cette balise, la désactiver. Consultez l'aide de WordPress si vous avez un site WordPress, consultez votre webmaster et il vous fera ce correctif. N'hésitez pas aussi à en bonus à mettre votre contenu sur des agrégateurs de contenu, des agrégateurs de contenu. Donc ce sont des sites par exemple comme Medium, Reddit, StumbleUpon, qui sont là pour relayer des articles intéressants auprès de la communauté web. Et ben mettez votre parlez de votre site à l'aide d'un article, créez un compte sur ces plateformes, publiez un article qui parle de votre site, et Google a l'habitude de passer sur ces supports, et vous verrez que ça va augmenter là aussi le temps de l'augmentation du passage de Google sur votre site. Donc ça c'est utile surtout si vous voulez indexer une page précise de votre site internet qui n'est pas encore indexée. Autre astuce importante, si vous voulez donc toujours indexer une page très précise de votre site et qu'elle n'est pas encore indexée, mettez cette page en lien depuis la page d'accueil de votre site, quitte à la retirer quelques jours plus tard, mais ça aidera Google à la connaître, à passer dessus et ensuite à l'indexer et à prendre en compte dans ses résultats de moteur de recherche. Voilà, donc j'espère que ces conseils vous ont aidé. À bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à partager et en parler autour de vous. Voilà, bonne journée.